d'épisode en épisode. Maintenant, de Henri, c'est des cadeaux sur cadeaux. Enfin bon, parce que nous partons à la rencontre d'un carrossier, on peut le dire. Ouais, hein. Ouais, carrossier. Donc on va vous suivre. On va suivre la Ferrari et Monsieur le Premier ministre va comprendre ce que c'est que conduire la meilleure voiture du monde. Exactement. Tu sais que tu trahis Audi. En fait, j'ai déjà. Tu trahis Audi parce que comme ça, nous allons pouvoir faire. Elle me faisait mais vraiment rêver cette voiture. Nous allons pouvoir, tu vois. Je suis ému, j'ose à peine démarrer. Ah, attends. Hein, regarde ça. Attends, parce que là, on va faire des. On a trouvé mieux que ta Jaguar. Mais non, c'est une autre Jaguar, forcément. Ça, c'est une des toutes dernières. C'est l'avant-dernière livrée en France de ce millésime. D'accord. Regarde ça, c'est petit, j'avais jamais vu ça. C'est pour le plafonnier. Ça n'est pas le miroir de courtoisie. Je savais pas que c'était aussi fin. Regarde. Non, mais ça, t'as pas vu les premières. C'était carrément. L'harmonie des cuirs et tout ça, c'est. Il découvre ce que c'est qu'une vraie voiture. Donc forcément, ça. Alors, est-ce que la Ferrari va, voilà, comme ça, voilà. Nous allons pouvoir faire des plans, Monsieur le Premier ministre. De la Ferrari, regardez, voilà. T'as vu, il y a l'airbag. Allez-y, monsieur Fréour. Attends, ça s'élance comme un avion, comme un 747. Ça fait... Oh là là là. Attends. L'automobile, monsieur Fréour. L'automobile. Avec un grand A. Et t'as vu, j'ai un sourire comme... Regarde. Une voiture moderne m'a donné. Attends, c'est génial. Alors, je suis plutôt ultra voiture moderne. Cadeau qu'il nous faut. Ah, mais c'est phénoménal. C'est le cadeau qu'il faut aux petits observateurs. Je découvre. Tu vois, elle est flottante pour moi. C'est un grand confort. Ah oui, c'est très américain. Ouais, c'est très, très américain. Non, mais c'est pas du tout précis. Et tu vois, là, je touche du doigt, je ressens. Ce que tu m'expliques très souvent. Ça me repose. Mais t'es déjà monté dans leur voiture. C'est un truc à remonter dedans. Si elle pouvait parler. On si elle... a trouvé nos maîtres. Ah ouais, mais là, c'est. je pense qu'on va les nommer Golden Rover. Hein. Non, mais au monde, il y a combien de personnes qui, comme eux, prennent aussi soin, tu sais, du... C'est un patrimoine. Ça va bien au-delà d'automobile, en fait. Un respect de l'objet. Tu sais, comme certains qui, notamment les ébénistes, qui remettent au point. Mais eux, ils prennent autant soin de leur bagnole que d'autres restaurent, tu sais, des tapisseries du Moyen-Âge, des statues de antiques. Mais c'est ça.